Salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la deuxième partie de Freedom Fighter sur PlayStation 2. Alors aujourd'hui on va un petit peu voir comment ça se passe vraiment dans le jeu, parce que la dernière fois je vous avais montré pas grand chose, c'était juste le début. Et bah j'ai complètement oublié de faire le commentaire de ma vidéo. J'ai dit que je parlerai plus, mais je trouve que le fait de faire mes vidéos sans parler, ben c'est carrément ennuyant. Donc maintenant je vais essayer de parler comme il faut et vous parler, voilà, de choses et d'autres, du jeu, d'autres choses. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et je vais quand même écouter ce qu'ils disent. Chris, depuis 3 mois, les soviets envoient des soldats et du matériel en ville. On doit donc préparer chacun de nos mouvements avec soin. Il faut que le peuple ait foi en nous. Si on échoue maintenant, tout est fini. Ouais, mon pote, les rouges sont partout et ils sont bien équipés. Hier, nos gars ont essayé de faire sauter un pont sur leur route d'approvisionnement. Et aujourd'hui, tu sais quoi? Les camions roulent déjà dessus! Si moi je m'en étais chargé, ce pont ne serait plus qu'un tas de poussière, tu peux me croire. Et en plus, ils ont augmenté la sécurité! Donne-moi des explosifs et je te fais sauter tout ça! Même si je dois y rester. Hé là, redescends sur Terre. Ce pont est important, mais il faut vraiment qu'on s'empare de leur QG. Les soviets utilisent la vieille caserne pour leurs troupes. Nous deux... T'attends surtout pas à arriver comme une fleur là-bas en demandant à tous les soviets de quitter les lieux. Ils ont des snipers et des hélicos là-bas. C'est pas un parc d'attractions. Chris, avant que tu ne partes, ton frère Troy voudrait te parler. Fais attention là-haut. Et n'oublie pas que tu peux toujours revenir dans les égouts en cas de besoin. Je t'attendrai ici. C'est mignon. Hé, Chris, j'ai réfléchi. Il doit bien y avoir d'autres mouvements rebelles en dehors de Manhattan. Je vais aller les trouver, et on va voir ce qu'il est possible de faire. Et qui sait, peut-être qu'ensemble, on pourra constituer une sorte de mouvement de résistance nationale contre l'envahisseur. Ouais, comme Mario et Luigi. Toi, t'es Mario parce que t'es gros et moi, je suis Luigi, c'est ça? Je suis pas si débile que ça. Mon frère. Prenez le contrôle du vieil hôtel. Les soviétiques y ont établi une base d'opération. On a vu les soldats soviétiques entreposer leurs munitions dans un restaurant abandonné. Vous pourrez y faire le plein d'explosifs. Il y a aussi un camp de prisonniers dans les parages. Libérez les prisonniers et conduisez-les dans les égouts. Nous y voilà. Alors, comme c'est marqué dans la vidéo, pensez à mettre un j'aime si ça vous plaît. Bien sûr, après avoir regardé la vidéo, je suis votre homme. Je vous invite à le faire si ça vous plaît. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais surtout essayer de vous montrer un petit peu comment on fait, comment ça se passe, qu'on a vraiment des gars à gérer. Parce que la dernière fois, c'était le début, voilà, la cinématique de départ, pour que vous ayez l'habitude du jeu, en fait. Et puis, il n'y avait pas une mission où on commandait des gars, à part la dernière partie où j'avais 2 mecs, mais on n'avait pas vraiment besoin. Donc voilà, à travers le jeu, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment que ça se passe, qu'on a un peu plus de mecs à gérer, sachant qu'on peut commander jusqu'à 12 hommes quand même. Bon là j'en ai que 2, mais en fait on gagne des hommes par rapport au charisme. Vous voyez la barre jaune en dessous, la barre verte qui est ma barre de vie, en dessous c'est la barre de charisme en fait. Donc dès que vous soignez un civil par exemple, vous gagnez du charisme. Sur la carte, vous avez pu voir que aussi ils m'ont dit d'aller libérer les prisonniers. Ça, si j'arrive à les libérer sans qu'ils se fassent tuer ou je sais pas quoi, pareil, je gagne du charisme. Donc faut que je les ramène jusqu'aux égouts pour qu'ils soient libres. Donc voilà. Donc j'ai choisi de faire ce jeu parce que, je vous ai dit, c'est mon jeu préféré de la PS2. Donc il est pas hyper connu. Pareil, pour le tir et tout, c'est pas un truc de malade, mais j'ai toujours trouvé super prenant et intelligent le fait qu'on puisse commander ces hommes, donc leur dire où tu veux aller et tout ça. Bon là j'ai choisi le mode facile pour que ce soit plus simple, que vous voyez l'essentiel de l'histoire. Il faut savoir que j'ai déjà essayé par le passé de faire en mode difficile
Et quand vous avez le mode difficile, et bah les gars qui vous suivent, en fait, c'est plus des sortes de boucliers que de mecs qui vous aident, en fait. Je veux dire, là, ils se promènent, ils sont super forts, ils meurent pratiquement jamais. Enfin, je veux dire, ils meurent pas, sauf si vous choisissez une autre personne alors qu'ils sont blessés. Parce que vous pouvez recruter quand ils sont blessés d'autres personnes, donc du coup, vous les abandonnez. Bah, je sais pas s'ils meurent vraiment, mais je crois, ouais, je me rappelle plus trop. Mais le truc en fait c'est que en mode difficile, bah dès qu'ils se prennent deux balles ils sont par terre quoi. Et quand ça canarde vraiment sec, genre vous tombez face à une mitrailleuse, bah si vous avez 8 mecs, bah il y en a 7 qui feront capoute. En gros les. Enfin blessés quoi. En gros les soins que vous avez ramassés au travers de la map, bah ça va être souvent pour eux, plus pour eux que pour vous en fait. Et ils vont plus vous servir à faire que bah quand vous tombez face à une mitrailleuse, c'est soit eux qui se fassent tirer dessus en premier et puis vous en fait vous arrivez après que si vous avez de la chance de passer, parce que c'est vraiment chaud, il y a des coins où faut se planquer tout le temps, enfin vous verrez après, je vous expliquerai plus quand on aura avancé un petit peu. Et franchement ça serait super, je serais super content qu'ils fassent un remix sur la PS4, ça serait énorme. Ou même une suite, parce qu'il faut savoir que le 2 a été énormément attendu, au final il n'a pas été fait, je sais pas vraiment pourquoi. Et quand tu vas chercher sur internet, et ben, y a pas trop d'explications, enfin faudra que je regarde comme il faut, c'est vrai que j'ai pas trop pensé à regarder. Mais ça serait vraiment énorme qu'ils refassent un remake sur les consoles actuelles, avec les graphismes actuels. Bon, la méthode de visée, il faudra que ce soit toujours la même, je pense, parce que bon, en TPS, moi personnellement, j'adore. Bon, je dis pas que je déteste les Call of Duty et tout, hein, j'attends même impatiemment le prochain Call of Duty World War II, le remake sur la Seconde Guerre mondiale, retour aux origines pour Call of. Hein. Mais les jeux en TPS, comme ça, en tant que vu à la troisième personne, je préfère voir mon perso en fait, et ça serait bien par exemple qu'on puisse sur PS4 le personnaliser comme dans GTA. Bon, je fais référence à GTA parce que c'est la grosse référence, mais en matière de personnalisation, mais ça serait vraiment énorme qu'il fasse un bon mode histoire, un bon mode en ligne. Voilà, moi je serais vraiment content qu'ils en ressortent un. Après, c'est EA Electronic Arts qui avait fait ça à la base. Et je crois que c'est un peu tombé à l'eau, là il y a le prochain Star Wars, je crois que c'est une licence un peu oubliée, malgré que ce soit un super jeu. Vous allez me dire les graphismes c'est pas ouf, mais bon, franchement pour de la PS2 ça va encore, pendant les cinématiques c'est pas dégueu quoi, pour de la PlayStation 2. Voilà, vous voyez là je vais ramener les prisonniers et du coup ça va me faire gagner des points. Et la barre jaune en haut, vous allez voir, elle va monter. Voilà, plus 15 de charisme par prisonnier, donc ça me fait plus 30. Et là, je suis presque à... Normalement, je vais gagner un... Sûrement, pour pouvoir avoir un soldat de plus avant la fin de cet épisode-là. Donc oui, je disais, ça serait bien qu'il ressorte un nouveau jeu sur PS4. Parce que, il n'est pas hyper connu, mais moi, il m'a vraiment marqué ce jeu, parce que... En multijoueur notamment, qui est vraiment énorme. Vous avez qu'un seul mode, il y a que 3 maps, mais on a fait les maps de fond en comble avec mes potes et mon frère à l'époque. On a passé vraiment, des centaines d'heures dans les maps multijoueurs. On a exploré tous les détails, même tous les petits bugs qui donnent un avantage ou un inconvénient. On a tout fait quoi. C'était vraiment énorme. Et qu'ils refassent un jeu comme ça aujourd'hui avec un bon mode en ligne, ça serait super quoi. En fait, le mode multijoueur, vous avez... je vous montrerai peut-être un jour. Le mode multijoueur, c'est... Vous avez un drapeau au milieu de la map, ou à certains endroits, souvent c'est au milieu. Et vous avez 4 bunkers sur la map. Vous, au début, vous êtes un chef soviétique, soit lui, soit le héros, Christopher Stone. Hein. Du coup, vous devez tenir le point du drapeau tout en gérant vos mecs. Vous pouvez commander jusqu'à 8 hommes en multijoueur chacun, hein, donc ça peut faire des belles petites batailles parfois. On s'amusait bien. Bon, nous, souvent, on faisait pas trop le drapeau parce qu'on voulait jouer en illimité, se promener, attaquer les bunkers et tout ça.
Là, je peux vous garantir que quand il y en a un qui a les 4 bunkers, parce que des fois ça arrive, et eh ben ça fait mal, c'est trop chaud d'en avoir un, quoi. Surtout dans certaines maps en fait. Revenez ici, vous m'avez entendu? Enfin, malgré qu'il y en ait que 3 en multi. Hein. Mais c'était vraiment un bon jeu qui a pas été trop connu, et c'est dommage parce que je veux dire, l'idée est vraiment bonne pour commander tes gars comme ça sur le fait. En plus, dans une belle ville comme New York, en essayant de les libérer de l'envahisseur russe. Parce qu'il faut savoir que dans cette histoire-là, voilà, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, y a eu la guerre froide, que les nations se sont partagées, Berlin, et puis voilà. Vous savez, avec les Américains, les Russes, une part français, anglais, voilà. Bah, en fait, les Russes ont envoyé une bombe sur l'Union européenne, carrément, ça a bousillé la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, enfin, toute l'Union européenne, en fait. Surtout ceux qui étaient... Tous ceux qui étaient pris par les Allemands, en fait. Il n'y a que l'Angleterre qui était encore en vie, mais ils ont été obligés de se soumettre à la Russie parce que les Américains ne sont pas venus les aider parce que les Russes menaçaient en fait de jeter une bombe nucléaire sur, sur leur pays, hein, l'Amérique du Nord, les États-Unis, quoi. Du coup, ils ont envahi l'Amérique du Sud, les Russes. Et il n'y a plus que l'Amérique, et ce jeu, c'est la défense de l'Amérique, en gros, de Manhattan. Bon, le truc qui m'a toujours fait... je me suis toujours posé une question dans ce jeu, c'est que les Russes débarquent, mais je me dis, ils sont passés où les soldats américains? Parce que c'est quand même la meilleure armée du monde, quoi, la plus grosse puissance militaire au monde, l'Amérique. Et là, il n'y a pas un seul soldat américain, quoi. C'est tous des rebelles, des civils qui ont envie de prendre la défense de leur pays, en fait. Et... Allez. Vous voyez, là, j'ai encore soigné un gars, j'ai gagné une personne, en fait. On abandonne. Go, go, go. On Merci d'avoir aidé un vétéran comme moi. Je te suivrais si j'étais plus jeune. Toi et tes hommes seraient sûrement intéressés de savoir que de nombreux camions des Rouges ont traversé ce pont, celui qui est près de la voie de chemin de fer. Il y a un rond qui est vide en haut. Parce qu'en haut, en dessous de la barre de charisme, vous avez des ronds, et il y a deux ronds avec des points jaunes dedans, ça veut dire que j'ai deux gars. Et la vide, ça veut dire que je peux recruter à nouveau. Ce que je vais pas tarder à faire, si possible. Donc voilà, je trouve que... Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Bon, alors à l'avenir, dans mes vidéos, j'essaierai de parler comme ça toujours. Quand j'aurai un sujet à vous parler, j'essaierai de le faire comme ça, avec du gameplay, parce que bon, je trouve que vous parler en face avec une caméra, c'est un peu plus ennuyant. Notamment pour ce que je vais faire à l'avenir, je compte vous faire des sortes de petits sujets sur l'histoire en fait. Par exemple, je sais pas, je vais vous parler de telle bataille, voilà. Parce que je suis un petit passionné d'histoire, aussi. Parce que je suis également un petit passionné d'histoire, du coup, je veux vous faire des sujets comme ça. Je sais pas, par exemple, sur la bataille de Trifouille des Oies, sur la Seconde Guerre mondiale, beaucoup, je pense, sur les guerres les plus connues, mais je vais vous parler des trucs un peu moins connus, par exemple... tout le monde connaît le débarquement de Normandie des Alliés où il y a eu des milliers de soldats. 156 000 soldats qui ont déboulé sur la plage, je crois. Et on parle moins du débarquement allié qu'il y a eu en 1942 en août où il y a 8000 hommes qui ont déboulé sur les plages de Dieppe. Oui, parce que celui-là il a aussi existé, mais on en parle moins, c'est beaucoup moins connu. Donc voilà, par exemple, ça sera le premier sujet que je vais parler. Sur ce sujet un petit peu historique, ou par exemple je vais vous poser une question avec des si, par exemple, et si la France n'avait pas perdu la guerre en 1940, que se serait-il passé? Et voilà, évoquer par exemple ce que je pense un petit peu, comment que ça aurait tourné, des a priori, ou voilà des... Puis vous après, par exemple, en commentaire, vous pourrez me dire ce que vous pensez si la France n'avait pas perdu la guerre contre l'Allemagne en 1940. Voilà, je compte faire des petits sujets comme ça, parce qu'après, si je vous parle en face à face avec ma tête et tout, je trouve que c'est un petit peu plus ennuyant. Du coup,
Du coup, après, ça risque de trop ressembler à un cours un peu histoire, vous voyez. Et moi, j'ai pas envie que vous fassiez chier sur mes vidéos. Parce que l'autre coup, je vous avais dit que je parlerais plus parce que la mise en ligne était beaucoup plus longue pour la vidéo. Mais je préfère, voilà, finalement, passer que ça mette voilà, 20 heures de mise en ligne et puis que bah, la vidéo soit plutôt bien regardable et limite agréable. Plutôt que de mettre 3 vidéos qui me prennent moins de temps, que c'est chiant et puis qu'en fait, voilà, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, je vous ferai des vidéos de gameplay pour vous parler bah, du jeu en général. Puis de vous parler un petit peu d'autre chose, par exemple, voilà. Par exemple, bah, sur PS4, ça serait bien qu'ils le refassent, mais bon, faut aussi se méfier, parce qu'il y a des jeux qui nous ont déçus aussi. Notamment, moi, je pense à le jeu où on peut explorer les planètes, là, que j'avais payé 40 euros en cash. Et ça m'avait vachement déçu parce que bah, j'ai revendu une semaine après No Man's Sky, le jeu que je parle. Bah, pour ceux qui ont joué, j'ai pas besoin de vous faire la description, mais pour ceux qui n'ont pas joué, je vais vous dire pourquoi c'est pas bien. J'attendais beaucoup de ce jeu parce que je me suis dit, oh c'est cool, on va pouvoir explorer des planètes et tout. On va découvrir des choses, limite on pourra construire une colonie ou des trucs comme ça. Je veux dire, il nous avait fait pas mal de promesses et tout. Et moi, quand j'ai vu la jaquette, je me suis dit, oh, ça peut être cool. Déjà, sur la jaquette, vous voyez votre personnage en TPS, hein, comme là, sur Freedom, de derrière, quoi. C'était pas en vue FPS, de vue sur la jaquette. Et quand on a commencé le jeu, ben, déjà, on était en vue FPS, donc à la Call of, quoi. Moi, j'ai pas trop aimé, parce que je me suis dit, bah voilà, ça aurait été cool de voir son perso, à quoi il ressemble, qu'on puisse un peu le personnaliser, tout ça. Bon, vous allez dire que je suis chiant sur la personnalisation, mais c'est quand même mieux de faire un jeu où vous avez l'impression, limite, que bah c'est vous qui faites l'histoire, que vous avez personnalisé votre personnage, votre truc. Vous avez plus l'impression de participer au truc, en fait, que quand c'est un personnage qui est imposé. Et vous pouvez pas changer, c'est moins rigolo. Bon, sur PS2, ça se faisait pas trop en co. Je veux dire, c'est un bon jeu pour l'époque. Mais sur No Man's Sky, ce qui m'avait ennuyé déjà, c'est ça. Vous arrivez, on vous met sur une planète. Bon, au début, je vous le dis, la première heure, c'est magnifique. Hein. Vous explorez une grande planète, c'est super et tout. Il y a des trucs à faire. D'ailleurs, au début, vous comprenez pas trop. Vous avez votre vaisseau, bah, il faut soi-disant le recharger avec une sorte d'essence. Donc. Vous avez un pistolet à rayon, ben, ça va vous permettre de trouver de la matière, enfin toutes sortes de matières. Il y en a qui vont vous permettre notamment d'améliorer votre costume de survie, vos armes, votre vaisseau spatial pour par exemple avoir plus de place pour l'inventaire, pour améliorer la vitesse. Après vous allez peut-être pouvoir tirer avec votre vaisseau. Enfin voilà. Et. Le problème, c'est que ce jeu, c'est cool d'explorer une planète. Moi, la première fois que j'ai changé de planète, j'étais super content. Surtout que sur la première planète, j'avais vu des animaux un peu bizarres. Je me suis dit, c'est cool, on va découvrir de la vie sur d'autres planètes et tout. Le problème, je suis arrivé sur la deuxième, bon, j'étais content. Hein. Je me suis dit, oh, c'est beau et tout. Deux planètes plus loin, donc j'avais déjà joué à peu près 3 heures. J'ai joué deux fois 3 heures, hein, faut y savoir. En tout, après j'ai plus jamais joué. Vous arrivez sur la planète, et ben. Je suis arrivé sur la troisième planète, je me suis dit, ouais, c'est beau. Mais ça ressemble aux deux premières en fait. Il y a juste le. La couleur des matières qui change ou la forme. Les animaux, on vous dit que c'est pas le même, mais en fait, sur l'autre, il y avait une corne, et sur celui-là, il y en a juste plus, quoi, on l'a enlevé, pour vous dire que c'est un animal différent. Pendant 2 heures, je vous garantis que j'ai cherché l'action. À des moments, tu tombes sur des bêtes, mais elles sont pratiquement invincibles. À un moment, je me suis retrouvé, la deuxième fois que j'ai joué, c'était sur la 3 ou 4ème planète, tu te retrouves d'un coup face à deux gros dinosaures qui te chassent, mais c'est des tyrannosaures, hein, genre ça. Donc toi t'arrives avec ton petit pistolet, tu peux pas faire grand chose. Bon le coup là j'ai réussi à pas mourir, mais je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas réussi à les battre non plus. Donc ouais, vous allez me dire on peut améliorer ses armes et tout, mais c'est long, faut. Puis tu vois pas vraiment la différence, en fait tu vas pouvoir genre tirer plus longtemps ou
recharger plus vite, enfin que l'arme se refroidisse plus vite, parce que lui dans le jeu c'est ça, il faut que l'arme se refroidisse plus vite, parce que sinon si elle chauffe trop, ben vous pouvez plus tirer, il faut attendre un certain temps. Donc quand vous êtes dans la merde avec deux dinos d'un coup, que vous vous y attendez pas, puisque ça fait 4 heures que vous jouez, il n'y a pas eu la moindre action, et là vous vous retrouvez face à deux énormes tyrannosaures qui vous pourchassent. C'est ça que j'avais trouvé très bête quoi dans le jeu. Vous attendez l'action pendant des siècles et des siècles parce que c'est chiant. Et puis d'un coup vous vous retrouvez face à deux gros dinos. Il y a aussi une autre forme d'action, il y a des extraterrestres sur la planète, il y a même des monolithes à découvrir, que ces monolithes vont vous permettre de découvrir des mots. Parce que sur chaque planète en fait il y a des espèces de stations spatiales où vous allez pouvoir poser votre vaisseau, vous améliorer, apprendre des trucs et tout ça. Le problème c'est que souvent dans ces stations il y a un autre être vivant en fait qui est bien un peu comme un Daft Punk, car on peut le dire, le casque c'est les Daft Punk, hein. ça me fait penser à ça honnêtement quand j'en ai vu. En fait ces mecs là ils vont vous parler et le problème c'est que vous n'allez pas comprendre ce qu'ils disent. Du coup il va falloir découvrir des monolithes, donc des pierres un petit peu extraterrestres, un peu bizarres, des endroits un petit peu spéciaux. Avec des structures un petit peu qui font référence à des temples un peu, bah, je sais pas, indiens, voilà, de ce style-là, quoi. Et chaque endroit va vous apprendre un mot souvent. Et à force d'apprendre mot par mot, bah, vous allez commencer à comprendre ce que les hommes veulent vous dire. Le problème, c'est qu'il y a un nombre innombrable de planètes à découvrir, et sur chaque planète il y a je sais pas combien de pierres, et étant donné que chaque planète est énorme il faut fouiller les moindres recoins pour découvrir chaque pierre. Sinon bon, c'est pas que ça vous bloque, mais c'est toujours mieux de comprendre ce que le gars il veut vous dire, surtout si ça peut être quelque chose d'utile. Donc en gros vous allez vous passer des heures à travers des planètes qui se ressemblent toutes les unes aux autres pour avoir quasiment pas d'action. Quand vous avez de l'action, bah, c'est soit un dino qui vous court après et puis vous pouvez quasiment pas le tuer, ou alors c'est un extraterrestre. Bah, les extraterrestres c'est des espèces de vaisseaux drones, voilà, sur les planètes. Quand vous en attaquez un, bah, bon, vous pouvez les tuer, ils sont pas trop durs. Le problème c'est que ça attire les autres, hein. Quand il y a une mouche qui est morte, on dit toujours, bah, ça attire les autres. Bah là c'est ce qui s'est passé en fait. Et du coup bah, j'ai trouvé super chiant de me balader de planète en planète au bout d'un moment en faisant rien, juste en voyageant, surtout que niveau musique c'est pas le pièce No Man's Sky, donc bon je me tais, il y a du dialogue. Risquer ta vie pour libérer ces prisonniers a vraiment été utile. Tu as gagné leur respect et beaucoup d'entre eux ont rejoint nos rangs. La destruction de cet héliport va vraiment nous faciliter la tâche dans ce secteur. Prenez d'assaut la vieille caserne de pompiers. C'est le QG pour un effet de style que ça tourne. Pour les renforts dans ce secteur. Détruisez aussi les pompes. Je vais essayer de faire un truc. Ils sont une voie importante de ravitaillement pour les soviets. Si vous y parvenez, l'afflux de troupes dans les environs la prochaine fois grandement diminué. Donc nous revoici tous avec moi. Sur la map de l'héliport. Non, c'est pas celle-là, je crois pas. Quoique. Non, c'est celle du pont, celle-là. Voici sur la map du pont. Alors, ce qui est bien dans ce jeu aussi, c'est. Oui, donc je disais, No Man's Sky, ne l'achetez pas, c'est pourri. Hein. Vous allez vous faire chier comme des rats morts au bout de. Allez, 6 heures de jeu pour s'en rendre compte. Les 3 premières heures, c'est magnifique, et après, on se fait chier, ça sert à rien. Il n'y a pas de musique dans le jeu là. Limite rajouter un semblant de scénario ça aurait été mieux quoi, parce qu'il n'y a pas de scénario du tout, il n'y a pas de but. En fait on vous largue sur une planète avec un vaisseau, voilà, tu dois te débrouiller, apprendre, et puis tu sais même pas vraiment c'est quoi le but du jeu en fait. Après c'est dommage qu'on nous ait prévu des trucs qui ont pas été faits, qu'on nous a fait des faux espoirs. Bon, on revient sur Freedom Fighter. Alors j'allais dire dans ce jeu, vous voyez. Vous avez vu sur la carte, il y a 3 quartiers. Ben souvent, c'est ça, vous avez 2, 3, peut-être 4 endroits à libérer pour arriver à la fin du chapitre, en fait. Hein. Et en fait, chaque action que vous allez faire, eh ben, ça va avoir un impact. Je veux dire, moi, au début, quand je jouais à Freedom, j'avais pas cette conscience.
et je m'en suis rendu compte par moi-même. Et en fait, quand vous êtes sur la carte au début, avant de commencer la mission, bah, on vous donne quelques instructions. Et moi, en fait, je les écoutais pas. J'étais pressé de jouer, de commander mes gars et tout ça, d'aller au combat. Et là, on arrive sur une map. En fait, bah, y a un pont à détruire. Et vous savez, juste avant, là, tout à l'heure, j'ai détruit un héliport. Mais au début, moi, j'arrivais sur cette map-là direct, sans passer par l'héliport. Du coup, eh ben, quand je faisais la mission, il y avait sans arrêt un hélico qui tournait autour de toi et à te tirer dessus. Du coup, il fallait que tu te planques un peu partout, genre près des escaliers et tout. Bon, près des voitures, eh ben, les escaliers là, par exemple, il fallait que je me cache derrière pour éviter de me faire tirer sur, dessus par l'hélico qui tournait autour. Quand tu te caches derrière une voiture, bah, faut qu'elle soit explosée, par exemple, pas comme le 4x4 à gauche là. Hein. Parce que celle-là, si vous vous cachez derrière et qu'on vous tire dessus, bah, ça vous pète à la gueule, vous allez rien comprendre. Donc voilà, je veux dire, chaque mission secondaire dans ce jeu, c'est pas vraiment des missions secondaires parce que ça aura réellement un impact sur votre façon de jouer. Ça vous rendra la tâche plus facile ou plus difficile selon si vous faites les choses ou pas. Par exemple, là, si j'aurais pas détruit l'héliport, j'aurais eu l'hélico qui me tourne autour sans arrêt. Et je peux vous garantir que en mode même facile, ça peut être très chiant. Bon, là, je suis en mode facile, normal, entre les deux, on va dire. Vous voyez, bah, j'arrive quand même à me faire bien canarder et je risque de crever. J'ai perdu la moitié de ma vie en 3 coups de mitrailleuse. Et bah, je peux vous garantir qu'en difficile, ça me serait arrivé, je serais mort là. Donc, c'est assez chaud. Après, c'est pareil, hein, je vous fais le mode histoire complet sur Freedom Fighter bah, parce que c'est mon jeu préféré. Mais il faut savoir que je vais pas vous faire à chaque fois que je meurs, je vous montre quand j'ai réussi. Parce que si je vous meurs à chaque fois que je meurs, et bah, au bout d'un moment ça va être chiant. Surtout que bah, des fois ça arrive de mourir bêtement. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Défendez-vous. Voilà, dans pas très longtemps. On y va. J'ai adoré ce jeu notamment parce que bah, les cinématiques elles sont pas mal. Je veux dire, bon, il n'y en a pas des masses. Mais il y a notamment des passages qui vont arriver dans les épisodes futurs qui m'ont énormément marqué. Enfin voilà. Un chapitre ça se termine avec le JT des Soviétiques. Avec le Tatiana Kempinski, je crois, c'est ça. Et puis des fois il y a une cinématique sur vous, voilà. Et j'ai trouvé vraiment l'esprit bien. Mais regarde, si on fait exploser le pont, les roues seront bloquées. Mais si tu veux vraiment faire ça, tu vas avoir besoin d'un gros paquet d'explosifs. J'ai trouvé vraiment l'esprit bien. Bah déjà j'adore la ville de New York, donc ça se passe à New York, c'est cool. Les résistants, j'ai toujours été passionné par la résistance française de 1940-42. Du coup, ben, se retrouver à défendre New York en résistant, j'ai vraiment apprécié. Plus tu peux commander tes hommes, c'est pas comme les autres jeux. Oui, donc je disais, des fois, il y a des moments où ben, vous faites tuer bêtement. J'allais pas vous mettre tous les moments où je suis mort, parce que je vous dis, dans cette mission-là, j'ai dû mourir au moins 3 ou 4 fois. Donc la vidéo, si je vous mets à chaque fois où je suis mort, elle durait genre 1h30. Enfin voilà, puis j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Vous voyez, là, il y a déjà 40 minutes, c'est pas mal. Et une fois, je suis mort bêtement à cause du train, là, parce que je suis passé et j'ai pas regardé, en fait, et je me suis fait écraser littéralement par le train. Pareil, il y a d'autres endroits, il y a un bunker notamment un peu plus loin, où à un moment il y a des mitraillettes au-dessus, et moi j'ai voulu leur tirer dessus avec un cocktail Molotov. Le problème c'est qu'en tirant, bah, j'ai reculé pour éviter de me prendre trop de coups, et du coup mon gars il a lancé le cocktail Molotov sur le bunker, et ça a rebondi, et je me suis brûlé tout seul. Du coup bah, je suis mort bêtement une nouvelle fois. Et voilà, bon, je vous fais la totale de l'histoire, donc je vais vous montrer à chaque fois l'essentiel. L'histoire, voilà, je vais pas vous montrer quand je meurs tout le temps et tout. Même si c'est un mode assez facile là pour l'instant, bah même en facile, je peux vous garantir que bah c'est pas toujours évident, surtout que les missions qui vont arriver, ça va être encore pire après. Et là, tu te demandes toujours si les gars ils vont pas se prendre le train quand ils traversent. Je me suis posé cette question, je les ai regardés comme il faut avant. Après j'ai un autre projet aussi, c'est de mélanger, ça serait de mélanger plusieurs jeux que j'aime bien et faire une sorte de petite histoire comme ça en petits épisodes, genre des petits épisodes de 20 minutes, en mélangeant plusieurs jeux que j'aime bien, là, PS3 je pense, PS2 par là,
j'ai créé une sorte de petite histoire avec plusieurs jeux, voilà. C'est un petit projet, faudra que j'essaye de m'y lancer. J'ai pas mal d'idées en ce qui concerne, parce que pour moi YouTube c'est... voilà, tu te lances, bah souvent tu reprends un petit peu les idées que les gens ont déjà fait, tu copies un petit peu. Et moi en fait j'ai pas envie de me mettre trop dans la masse des gens qui feront comme les autres. Bon, j'ai envie de rester sur ma passion, le jeu vidéo. Hein. Et le problème, notamment aussi l'histoire, parce que oui, j'adore l'histoire. Je vous ai dit, du coup, j'aimerais bien faire, voilà, vous montrer des petits passages, par exemple sur Call of. Puis en même temps, je vous parle d'un sujet, genre, je sais pas, bah n'importe. Voilà, la libération de les oies, par exemple. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est, je vais essayer de faire ça à l'avenir et puis faire des vidéos un peu plus de qualité plutôt que de la quantité, que bah c'est pas trop bien. Je préfère faire une bonne vidéo avec un bon commentaire que ça vous plaît, plutôt que de faire une vidéo moyenne et puis que personne regarde jusqu'au bout. Voilà. Ouais, c'est sur ce bunker là hein, que je me suis lancé le cocktail Molotov, que je suis mort bêtement. Du coup, bah voilà. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé, je me suis dit je vais vous montrer que les moments où j'ai réussi, parce que bah, sinon ça va faire long et puis ça va devenir chiant. Surtout que PS2 c'est bah tu meurs pour commencer toute la mission. Maintenant sur PS4, genre sur Tomb Raider, vous crevez, vous recommencez 2 mètres avant quoi. Donc c'est pas chiant. Uncharted par exemple c'est pareil, vous mourrez, bah, vous commencez pas trop loin avant. Alors que là, ben si vous arrivez au bout de la mission, vous vous faites buter bêtement, et ben malheureusement faut tout refaire. Et j'ai pas envie de passer ma vie à faire ça quoi. Parce qu'on a tous une vie à côté. Moi c'est ma passion le jeu vidéo. Mais je vais essayer de faire des bonnes vidéos parce que ça me plaît. Honnêtement ça me plaît. Et surtout de faire passer un message, genre vous donner des conseils et tout. Si je peux, bon après je suis pas encore un grand expert sur YouTube. Mais en jeu vidéo notamment, je peux déjà dire... par exemple, si vous me demandez ouais, qu'est-ce que tu penses de, ben, je sais pas, Uncharted, bah, je pourrais vous répondre. Ou... ben, après, j'ai pas joué à tous les jeux dans la vie, hein. Mais je serai toujours là pour répondre à vos questions si vous en avez, parce que voilà. Après, je vais me lancer un petit peu sur des sujets histoire en vous montrant du gameplay, mais je continuerai toujours à faire des. Bah, des épisodes comme ça, let's play, voilà, mais en commentaire quoi, je vous ferai des commentaires. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir par exemple ben, mes chineurs arrêtent de chiner sur les vide-greniers, mes missions collection, parce que je continuerai quand même à faire quelques vidéos où c'est que vous me voyez moi. Notamment bah ouais, sur les missions collection, le compte rendu de chaque mois. Alors n'hésitez pas à aller le voir, c'est juste en haut de la vidéo, en haut à droite. Il y a un petit bouton i des fois qui s'affiche. C'est pour vous donner des suggestions de mes vidéos. Et voilà. Si jamais par exemple vous n'avez pas vu l'épisode 1 de Freedom Fighter, et ben allez-y. Je le mets en haut dans le petit i. Je mets pas tout, mais quelque chose en rapport avec ce que j'ai parlé dans la vidéo. C'est maintenant ou jamais, Chris. La prise de la caserne nous a donné l'avantage pour le moment. Les gens qui voient maintenant flotter notre drapeau nous viennent en aide. Certains nous ont même montré une planque de mitraillette des soviets. Prends-en une pour ta prochaine mission. C'est ça que j'adore dans le jeu aussi. Au fur et à mesure que tu avances, vous voyez, il y a... le coin des armes, bah, ça s'agrandit. Au début, il n'y avait rien. Après, on a eu les fusils à pompe. Maintenant, on a une petite mitrailleuse. On a des soins. C'est au fur et à mesure que tu avances, bah, ton truc, ta base, elle s'améliore un petit peu. Donc, nous revoici sur cette map. Parce que tout à l'heure, j'y suis allé, mais c'était juste pour libérer les prisonniers et chercher les explosifs. Parce que tout à l'heure, il y avait l'hélico. Du coup, bah, j'ai pas pu aller trop loin. Fallait pas y aller tout de suite. Parce que vu que le pont n'était pas détruit. En fait, bah, les voitures continuent à passer. Donc, vous voyez la petite voiture des fois qui passe. Je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. Bah, à chaque fois qu'elle passe, elle passe genre, je sais pas, toutes les 30 secondes, toutes les minutes. À chaque fois, elle ramène du renfort. En fait, elle vous ramène 2-3 mecs en piste, qui ont des pistolets. Et du coup, si vous faites pas sauter le pont, bah,
Sur cette map là, ils ont plus de sécurité. Et bon, bah, en mode facile, ça n'a pas trop d'impact, ils sont assez faciles à tuer. Mais je veux dire, en mode difficile, vous sentez tout de suite la différence quand vous avez détruit le pont ou pas. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré en fait. Parce que quand je me suis rendu compte de ça à l'époque, je me suis dit putain, faut que je refasse tout le jeu quoi. Faut que je refasse en truc plus facile, en truc plus difficile. Comme ça, voilà. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les trophées et tout ça. Voilà. Il y avait moins de challenge, on va dire. Mais finir un jeu en mode expert, c'était quand même pas mal. Bon, après, j'ai jamais réussi, jamais été jusqu'au bout. Hein. Je l'admets. J'ai quand même fini le jeu en mode facile, voilà, et c'est un super jeu, on franchement. Même déçu, j'en ai fait deux et j'en ai pas en prévision, parce que ça serait vraiment bien. Si vous le trouvez, prenez-le, en multijoueur notamment, c'est un super jeu. Le mode histoire, c'est vraiment pas de la merde pour de la Play 2. Vous voyez quoi. Puis les musiques aussi, elles seront pas mal. Franchement, les musiques, moi, il y a même des fois, je me mets sur YouTube, j'écoute les musiques de Freedom Fighter, quoi. Elles seront bien. Tapez Freedom Fighter et vous les écoutez, vous mettez des écouteurs. Je vous garantis, c'est des bonnes musiques. Bon, ça a appelé militaire, russe, machin. Bon, c'est sûr que si vous aimez le rap, ça va pas vous plaire. Mais pour ceux qui aiment bien écouter, par exemple, les musiques de films et tout ça, c'est vraiment des bonnes petites musiques pour un bon jeu, quoi. Et d'ailleurs, dans le passé, il m'est arrivé de m'en servir. Mais malheureusement, aujourd'hui, je sais pas, ça risque de toucher des droits d'auteur parce que par exemple ma vidéo que j'ai fait sur Beyond Two Souls l'autre coup avec mon petit frère, et j'ai eu un souci, c'est que dans Beyond Two Souls il y a des musiques qui sont super hein, mais c'est des musiques qu'on connaît, du coup ils m'ont entre guillemets sanctionné un petit peu la vidéo parce qu'il y avait des musiques qu'on connaissait dans le jeu et moi quelque part j'y peux rien, c'est dans le jeu on peut faire des lives, donc je vois pas pourquoi à chaque fois ils nous font chier avec des droits d'auteur. Bon, après, c'est normal aussi. Hein. Quelque part, moi, je m'en fous. Ils vont toucher ce que je gagne sur YouTube. Mais le truc, je gagne rien vu que je fais pas beaucoup de vues pour l'instant. Et puis, bon, moi, c'est pour le plaisir. Après, si jamais il y a une vidéo, il y a 1000 vues qui me passent sous le nez, tant pis, c'est pas grave. Hein. Je veux dire, je fais ça pour le plaisir. Mais des fois, ça peut être chiant. Par exemple, la vidéo sur Sleeping Dog, notamment. Ça m'est arrivé, c'est pareil, quoi. Quand je vous ai fait la présentation de Sleeping Dog, vous savez, il y a des musiques. C'est un petit peu comme GTA, quand vous rentrez dans une voiture, il y a des stations de radio, il y a des musiques. Le problème, c'est qu'il y a des musiques qu'on connaît. Et du coup, ils m'ont sanctionné un petit peu la vidéo pour droit d'auteur par rapport à ces musiques qu'il y avait dans le jeu, quoi. Et au début, j'avais pas compris. Puis chaque fois que j'allais voir la séquence où c'est que c'était marqué, j'étais dans une voiture et il y avait de la musique. Je me suis dit merde, fais chier quoi. Du coup, tu te tapes 5 trucs au droit d'auteur pour une musique que t'as eu dans un jeu que t'as fait en live. Fais chier quoi. Et c'est vrai qu'ils sont assez chiants avec ça. Après, regardez mon intro avec la musique de Sonic. Je me suis dit, je vais me faire griller. Eh ben non, même pas. Allez comprendre pourquoi, je sais pas du tout. Et ouais, bon, après, Sony, ils sont pas trop chiants au niveau droit d'auteur, quoique que ça commence. Hein. Par exemple, quand vous faites des lives sur GTA, si vous avez le malheur d'avoir une chanson genre celle de Snoop Dogg qui est dans GTA 5, et ben vous allez vous taper à droit d'auteur parce que sur la séquence genre qui dure 20 secondes, vous avez eu un morceau de Snoop Dogg sur la vidéo, du coup vous allez vous taper le droit d'auteur et limite falloir faire toute la vidéo parce que vous avez eu ce droit d'auteur. Alors après YouTube vous laisse le choix d'enlever l'audio, mais le problème si vous enlevez l'audio et que vous parlez à côté, c'est un peu chiant, du coup vous allez devoir tout refaire et puis vous aurez même plus le son de base de GTA, je veux dire quand vous tirez par exemple, ou voilà, ou le bruit de voiture quand vous roulez, vous l'aurez plus. Du coup, il faudra refaire carrément toute la vidéo juste parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors quoi, maintenant ça va, ils sanctionnent moins parce que je sais qu'avant, quand vous faites vraiment des trop gros atteintes aux droits d'auteur, au bout de quelques fois, ils supprimaient votre chaîne. Moi, je me suis retrouvé une fois, c'était avant, mais il y a des fois, tu te dis toujours est-ce que ça va passer parce qu'il y a tel ou tel truc. Puis en fin de compte, ça passe, puis il y a une vidéo où tu t'attends pas.
La pof, ça passe pas. Par exemple, celle que j'avais fait sur Pokémon, le jour où elle fait des vues, celle-là, je pouvais pas y toucher parce que bon, j'ai mis 3-4 musiques de Pokémon, mais c'est des petites musiques quoi. Ça dure genre 20 secondes sur chaque séquence. Mais je veux dire, ça va faire quoi de mal ça, la vie je vois pas ce que ça change. Moi, je veux dire, je fais allez, en moyenne, je fais 30-40 vues pour l'instant par vidéo, on va dire. En moyenne, hein, je calcule sur toutes mes vidéos en moyenne. Mais qu'est-ce que ça va leur rapporter de prendre ça? D'accord, le jour où... Bon, je vous laisse là parce que c'est une petite cinématique. C'est la cinématique de fin d'ailleurs. Bonsoir. On est déjà ici à la fin. Tatiana Kempinski en direct de nos studios de New York. L'automne a fait son arrivée. Le fond de l'air est froid, mais si les citoyens de New York y font face, c'est grâce aux nombreux ingénieurs soviétiques travaillant sans relâche pour réparer les centrales électriques mises hors service par les attaques des rebelles. Le fantôme de la liberté, figure énigmatique qui a échappé à nos troupes et qui a organisé de si nombreuses attaques surprises sur nos installations, est tenu pour responsable. Écoutons à présent les commentaires du général Tatarine à ce sujet. Ce dont ce fantôme de la liberté a la manque, et ses sous-fifres ne se rendent pas compte, c'est que ce sont les citoyens de New York qu'ils punissent par ces agressions. Nous ne pouvons en aucun cas contrôler les ressources alimentaires et électriques sans pouvoir garantir la sécurité des travailleurs et des travailleuses de cette administration. Nous demandons donc à ce qu'ils arrêtent leurs agressions. Camarade Tatarine, le colonel Bulba estime que la situation ne sera réglée que lorsque ce fantôme aura été éliminé. Et que si cela n'arrive pas bientôt, les collaborateurs et tous ceux qui aident les rebelles devront être sévèrement punis. Camarade Tatarine, qu'avez-vous à répondre à cela? Eh bien, nous espérons résoudre cela de façon civilisée, sans autres dommages collatéraux. Nous sommes ici pour restaurer la stabilité et non pour la perturber. Pas d'autres questions. Merci. C'est possible. Nous nous retrouvons après cette courte pause. Restez avec nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur la seconde partie de Freedom Fighter. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit Mario juste en bas à droite. Comme ça, vous serez abonné et vous pourrez savoir quand est-ce que je remets des vidéos en ligne. Moi, je vous dis à la prochaine. Et si vous n'avez toujours pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite de ma vidéo pour aller voir les suggestions et éventuellement regarder le premier épisode. Salut tout le monde, à la prochaine !